Alors aujourd'hui, Wack and Wall, donc c'est Guitar Hero 3, donc sur Wii, donc Jim et Willa. Salut à tous! Bon bah, on va aujourd'hui vous présenter les personnages, les musiques qu'il y a, et je vous ferai une petite intro. Ouais, d'abord mes gènes, on dira. Là c'est Axel Sten. Là il y a Cassie Lynch. Tu vas pas préciser à chaque fois. Henry Park, Judy Knight, Johnny Napalm. Lars Newton, Midori et Xavier Stone. Donc moi je prends Johnny Napalm. Alors avec ses tenues il en a plusieurs, il a celle-là, il a la suite de quoi, le tenue et les squelettes. Il y a plusieurs choses. Après il y a épinard, il y a citrouille, il y a duo de thon et aubergine. C'est formé. Donc là il y a plusieurs scènes, il y a Loup Inferno, c'est la dernière. Alors là c'est la première quand on arrive, on est directement sur cette scène là. Après il y a Mitch qui nous a annoncé tu vas prendre la gueule. Il y a Slowrike. Tu vas nous faire quoi? On the Make Telcom. Voilà, il y a du choix. Hein. Il y a du choix quand même. Et dans un deuxième BL, on fera en deux joueurs. Différentes failles. En deux joueurs. Bon, on n'est pas dans les merdes puisque c'est moi le deuxième joueur. Il est pas tellement. Je sais pas jouer. Voilà. Donc, faut vous montrer que si vous savez pas jouer, ça va pas. Faut beaucoup de temps pour s'y habituer. Il y a beaucoup de temps pour attendre aussi. Mettre un petit peu de son guitare, tu peux. Ouais, peut-être. Excusez-moi pour la petite faute. Ouais, on est en GL. Normalement, ça fait pas la faute. Ah, autant de passer. C'est le game. Non, c'est direct. C'est une game. Ouais, c'est les risques du GL, quoi. C'est quelque chose qui double vos points. C'est marrant en plus parce que il est en train de jouer debout. Mais le pire c'est qu'il a la jambe cassée, donc pour vous dire dans quelles conditions on peut travailler. C'est un peu grave. Thank you.
crois que quand j'ai raté, c'est parce que c'était un petit peu trop long pour moi aussi. Vous ne nous en voulez pas si on ne dit pas trop grand chose, mais bon. Jim il est concentré, moi je regarde, je profite de la musique. C'est combien de temps? Ça dépend des musiques. Non, mais à l'heure, je pense qu'elle fait bien 5 minutes. Hein. De quoi? Elle fait bien 5 minutes. Ça ouais, 5 minutes, alors 1 minute. Ça dépend des musiques. Ça dépend du play, elle dure à peu près 10 minutes. Ouais, on doit la faire tout à l'heure. Ouais, on prend que la moitié. On ne prend pas les 10 minutes hein, à cause de moi. Peut-être que 10 secondes. Ouais, avec quoi ce sera sur 10 secondes. Ouais, ça va peut-être là pour rattraper le truc. Ouais, peut-être. Moi, ça me fait mal à la tête. C'est cool. Ça n'a pas l'air sympa dans le fond. Le batteur? Ah non, dans le décor. Ouais. Bon. Si tu mets juste la tête un petit peu en dessous de son marteau, il t'écrase. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je dis, pas très sympa. Long, donc J'ai réussi la dernière note. C'est magnifique. Non, excusez-moi, mais je déchire pas. Bon, bah, ça aurait pu. Enfin, bon. Bah, on vient. Attends, on va leur montrer les stats. Ouais. Donc, à cette musique, il y avait 600 notes. J'en ai réussi 549. C'est déjà assez bien. C'est pas mal. C'est fort dans le pont sympa 2, le couplet 2, le refrain 2, le pont sympa 3 avec solo, refrain 3 et pont Harvey, ça a été bien. Sinon, au final, bon bah, on vous dit à tout de suite pour une deuxième vidéo. Ouais, que.
à deux guitares Hero 3. À laquelle musique? Bon bah. Tu m'as dit quoi déjà? On va vous la montrer hein, parce que. Tout de suite? Ouais. Dragon Force. De Dragon Force. D'accord. Ciao. Bon bah, à tout de suite.